On attend, on commence, on présentera tout à partir de entre 8h et 8h05. Donc, Ouais. pas besoin de se presser, les amis. En tout cas, merci à ceux qui sont sur le live. Je veux devenir policier, je fais comment? Oh, Tu passes les concours. Tu présentez-vous fais sur des le études. chat, les 14 personnes qui regardent. Qu'on sait qui sont les. Qu'on sache qui sont les premiers. En tout cas, ceux qui sont connectés là tout de suite, c'est les gens les plus déter, parce Grave. qu'on a dit qu'on lançait dans 5 minutes et ils sont là. Franchement, chapeau. Les 5 premiers Clairement. qui sont venus sur le live, en fait, on avait prévu de vous offrir à chacun un chèque de 1000 euros. Et c'est Alger qui paye. On n'est pas ensemble, amis, pas du tout. Il est grave, lui. Il y a quelqu'un sur le. Quand j'ai dit présentez-vous, il y a quelqu'un sur le chat, il a mis prépa éco. Les gens en prépa, ils aiment trop revendiquer qu'ils sont en prépa. Il a mis Attends. pas de Attends, prénom. attends les séances pour. Pas de prénom, rien, prépa éco. Attends, ceux qui sont en bac S aussi. Ah, mais il y a Alex Arnaud. Alex Arnaud, j'ai pas de diplôme, mais je veux réussir, je dois faire quoi? Il a le Un CP, le gros menteur, il n'a pas menteur. encore de diplôme, mais on sait quelle école il fait. Futur militaire, mais dans le doute, j'écoute ce live. Trop cool. Bien. Belle Mmh, vocation. félicitations déjà. Mais c'est fini. Bon, les personnes qui entendent Mike pour la première fois, est-ce qu'il avait la voix que vous imaginez? Parce que moi, ça m'a fait un choc quand je Comment ça, ça t'a fait un l'ai choc? vu. En quoi Je ça t'a fait un t'assure, choc? Pourquoi? genre, t'as pas la voix que j'imaginais en fait. C'est-à-dire? Je sais pas, ta voix, elle est plus suave et tout. On Mike. a dit qu'en public. Wow. Non, je blague, je blague. Oh, Kadir! Merci Kadir. Ah, Et trop lourd, c'est Paco Kadir. Brahim dit salut, normal si le son n'est pas trop fort. Oh, Zora qui s'assomme. Voilà, Zora qui s'assomme. Allons Ah, ça sent le Alexandre. Je crois savoir qui est Zora qui s'assomme. là. Et attends, et pour la personne qui demandait pour le son, tu nous entends tous à égalité ou c'est Voix genre il y a une lumineuse. voix qui est plus forte que l'autre? Alors, Jolivance qui nous dit, je suis en première et je cherche à clarifier mes choix d'orientation. Bah, j'espère que ce live va pouvoir t'aider un petit peu déjà dans un premier temps. Et n'hésite pas à poser tes questions après sur le hashtag ou sur nos comptes Curious4 respectifs pour qu'on puisse traiter en profondeur certaines de tes questions. Sacré Fox. Personnellement, j'ai pas de Curious Cat, mais n'hésite pas à aller dans les DM du compte. Pour toutes tes questions. Bon appétit, Zora qui ça sent. Bon Va après-midi. durer. Le Paco programme de la Brahim, soirée. t'inquiète pas, ça arrive. Ouais, on va vous présenter le programme, on va se présenter aussi nous pour que vous puissiez savoir aussi à qui vous parlez. Et puis après, on enchaînera sur les questions qu'on a déjà reçues. Si on a le temps, on enchaînera aussi sur les questions que vous pourrez poser en parallèle sur le chat ou sur le hashtag. Surtout si elles ont un lien avec la question sur laquelle on est en train de discuter. N'hésitez pas à vous présenter vous en attendant sur le chat, qu'on puisse voir un peu à qui on s'adresse, s'il y a des choses qu'on doit traiter un peu plus aujourd'hui si on a le temps. Qu'à dire, t'as pas besoin de voir nos têtes pour savoir qui on est. Nos voix suffisent.
Re, les amis. Re. Re. Sunjun, tu es live. Comment ? Tu es en live. Je suis en live. Il y a 39 spectateurs. Putain, on a regardé. Moi, je vois écrit 49 sur le truc, là. Mais on va déjà peut-être commencer à se présenter. Hein. Moi, on va pas attendre trop longtemps. Attendez un peu. Salut, Raimzer. Salut, Raim. Franchement, les pseudos, ils me fument. Où est-ce que vous trouvez toute cette créativité? Non, Raim, c'est le cul. Kadir, il a mis 3 A, il a mis je sais pas combien de I. À chaque fois qu'il se connecte, il doit faire. C'est obligé que ça échoue. 3 tentatives d'abord avant que ça marche. Lui, ça se voit, il avait MSN, il faisait de la tectonique dans la cour. Ah, bah, salut, Krakitoel. Krakitoel, ok. Bonsoir, je suis en licence IH Eco. Déjà, force à toi. Ouais, franchement, bon très courage. Très. Vraiment les problèmes, cette licence. Bon courage. Ah, je pense que Krakitoel, c'est probablement toi qui a posé les questions sur la licence MIH sur mon Curious Cat. Parce que je le sais, parce que j'étais en incapacité de répondre. C'est ça, ok. Parfait, parfait. Très vif. Il faudra que tu sois là quand on fera un live avec Diane. C'est Diane qui va t'orienter. Live jusqu'à quelle heure? Live jusqu'à 21h à peu près. Ouais, 21h. Salut. Salut Raïma. D'accord, merci. Ah, ça va, en fait, finalement, il y a très peu de latence parce que les gens répondent assez rapidement. Ouais. Alors que dans les tests, il y avait une ou deux minutes de latence, c'était dingue. Il y a combien de spectateurs sur le live? 47. 47. Hop, attendez, je reviens un court instant. Paco, t'as dit t'es en L1 licence maths éco. En revanche, c'est pas maths, mais plutôt une double L. C'est pas MIH, mais plutôt une double L. D'accord. J'avais pas vu. Ok. Ouais, licence maths éco. Je connais assez bien les maths éco. Hello Dalil. Hello Dalil. On a le king, le sniper algérien. Il est dans la place. Mike est de retour. J'espère qu'il y a des filles quand même. Ok, pas cool. Est-ce que Mike est de retour? Mais bien sûr que je suis de retour. Ah, mais ça y est. Ouais, je suis toujours là, moi. Bon, on démarre alors. Okay. On peut démarrer. Ok, donc. Allez, c'est parti. Donc, moi, c'est Sunjun sur Twitter. Je suis étudiant en licence d'économie, j'ai fait un an de prépa, et c'est tout ce que j'ai à dire sur mon parcours scolaire. Je vais directement présenter l'initiative How2Be, et puis après déboucher sur la présentation de l'équipe. Donc, pour parler de la genèse de How2Be, c'était un petit projet que j'avais en tête déjà depuis le mois de décembre à peu près, où je voulais simplement faire des podcasts d'interviews de professionnels pour parler de leur métier, de leur parcours scolaire, des difficultés qu'ils ont rencontrées. Sauf que j'avais un peu la flemme de le mettre en place et j'étais pas finalement tant motivé, donc c'est juste resté dans un coin de ma tête. Et voilà. Et récemment, enfin, au fur et à mesure que je recevais davantage de plus en plus de questions sur Curious Cat à propos de l'orientation et tout ce qui est lié au parcours scolaire et professionnel, il y avait pas mal de questions auxquelles je ne pouvais pas répondre. J'avais absolument aucune connaissance dessus. Et donc, finalement, le spectre de gens auxquels je pouvais répondre était relativement restreint. Donc, je me suis dit, pourquoi pas développer finalement cette idée, reprendre cette idée, l'agrandir,
créer une équipe autour de ça. Donc, j'en ai parlé en premier lieu à Mathieu, puis Mike et Adjar nous ont rejoints. Et on a décidé de lancer How to Be. Donc, c'est une plateforme qui sera dédiée à l'orientation scolaire et professionnelle. On essaiera de traiter, de balayer absolument toutes les filières qu'on peut balayer, de balayer tous les métiers qu'on peut balayer. Donc, ce ne sera pas forcément tout concentré autour de l'économie, la finance, etc. Et puis voilà la genèse du projet. Maintenant, on vous proposera donc chaque samedi à 20h un live. Donc aujourd'hui, sur ce live, on traitera en premier lieu les questions Curious Cat. Et puis après, en fonction du temps qui nous reste, on traitera vos questions sur le hashtag HowToBe. Pour ce live, on a décidé de pas trop utiliser le chat du stream, parce que c'est notre premier live et que gérer ces trois canaux sera assez difficile. Et puis à l'avenir, on vous sortira des podcasts, il y aura des articles sur le site How to Be qui sortira bientôt. Et tout sera bon. Donc, pour vous présenter l'équipe, il y a Mike, Adjar et Malty. Donc je laisse Mike se présenter. Très bien, merci Alim, merci à Sunjun, pardon, et merci à vous tous d'être là sur le live. Donc moi c'est Mike, évidemment, je n'ai pas de surnom assez spécial. Pour ma part, j'ai un parcours assez riche et varié. Après avoir obtenu une double licence d'économie gestion et un parcours prépa fac, j'ai intégré une école de commerce que j'ai quasiment fini avec un master en finance notamment, qui traitait des fusions-acquisitions. Et j'ai effectué différents stages aussi en finance, en opération, en marketing, en plein de choses, en conseil notamment. Donc ce serait un plaisir de vous aider du mieux que je peux. Et merci beaucoup, merci à vous d'être là, d'être aussi nombreux. On va pouvoir continuer à répondre à vos questions avec la plus grande sincérité. Puis je vais laisser la parole à Jar du coup pour pouvoir se prononcer. Yes, j'enchaîne du coup. Alors moi, je m'appelle Adjar. Sur Twitter, je suis HKisla. Je suis un petit peu plus âgée que les autres, donc au niveau de mon parcours, c'est un peu différent. J'ai fait une licence éco-gestion que j'ai faite en double cursus avec une prépa ENS, spécialité D2, donc économie. Par la suite, j'ai passé des concours des écoles de commerce et j'ai fait l'ESCP. Là, je suis diplômée depuis plus de 2 ans déjà. Et là, désormais, je suis consultante en stratégie digitale et transformation des organisations. Plus sur la partie digitale, du coup, j'insiste un petit peu plus sur cette partie-là, au sein d'un cabinet, enfin, qui est un géant de la tech. Et voilà, moi, mon parcours, il est un peu, enfin, varié dans le sens où j'ai fait une école de commerce, mais après je suis tombée dans le digital. Donc, s'il y a des questions par rapport à ça, je pourrais y répondre, il n'y a pas de problème. Malty, à ton tour. Hello, bah moi c'est Malty. On me connaît sur Twitter sous le nom de Fatiti ou La Grandeur. Pour mon parcours, j'ai un parcours pure fac. Typiquement, j'ai fait une double licence en droit économie gestion, un échange en Erasmus en Belgique et un master en management. Donc là, je suis actuellement en deuxième année de master. J'ai bientôt terminé. Il me reste encore quelques bricoles à soumettre à certains de mes profs pour valider mon master. En termes d'expérience pro, j'ai de l'expérience dans le domaine juridique, ressources humaines, secteur banque, finance et fintech. Donc, si vous avez des questions par rapport au fonctionnement des startups, des choses comme ça, je pourrais vous aider. Pareil en ressources humaines, vu que j'ai fait pas mal de recrutement. Et voilà. Donc on va Alors juste, partir. je voulais ajouter un petit truc pendant qu'on y est. How to be, c'est vraiment le tout début de cette aventure. Là, l'idée, c'est vraiment de vous aider un maximum dans vos choix et vos orientations, qu'elles soient scolaires ou professionnelles. Donc, en fait, pourquoi on a fait ça? C'est parce qu'on recevait enfin, de part et d'autre beaucoup de questions à ce sujet. Et on s'est dit que bon, ce serait sympa de faire un média qui puisse, une plateforme qui puisse vous aider au mieux
et partager au maximum l'expérience qu'on a eue sur les années précédentes. Ça ne veut pas dire qu'on a la vérité absolue, ça ne veut pas dire qu'on a le monopole du savoir, ça veut juste dire qu'on a vraiment envie de transmettre un maximum de choses. On peut se tromper, on parle en tout cas en notre nom, on ne parle pas au nom de How to Be. On peut aussi avoir des avis divergents selon nos parcours, selon les personnes qu'on a côtoyées autour de nous. Donc voilà, c'est juste pour vous dire qu'on essaie de faire ça au maximum pour que ça puisse vous aider, mais on ne détient pas le monopole de la vérité absolue. Yes, je vous confirme. On passe aux questions ? On passe aux questions. Alors, je peux commencer par une première question. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, moi, je suis consultante en digital et en stratégie digitale plus précisément. J'interviens sur trois types de projets. Les projets d'amélioration de l'expérience utilisateur en ligne, les projets de montée en compétences des collaborateurs sur le digital et les projets de transformation organisationnelle, on va dire, surtout sur des projets IT, et notamment tout ce qui est, par exemple, développement informatique en agile, etc. Et on a reçu une question à ce sujet qui est un petit peu plus large, mais la question est la suivante. J'hésite à m'orienter entre sécurité informatique ou gestion de projet informatique. C'est lequel le plus intéressant en termes de salaire et d'opportunités ? Alors, me concernant, mon point de vue par rapport à ça, la sécurité informatique et la gestion de projet informatique, dans les deux cas, c'est des secteurs qui sont très porteurs, dans le sens où, que ce soit en cabinet, en entreprise ou même en pure player du digital, il y a énormément d'opportunités à ce niveau-là, et les débouchés sont vraiment très larges. Après, si je devais pencher pour l'un plus que l'autre, je dirais que la sécurité informatique, c'est un secteur qui explose vraiment. Il y a beaucoup de compétences qui sont très rares et qui sont recherchées par les entreprises. Hors France également, il y a énormément d'opportunités. Je pense aux États-Unis, les salaires sont parfois doublés entre les États-Unis et la France. Donc, ça vaut vraiment le coup de s'y intéresser. Et en ce qui concerne la cybersécurité, il y a énormément d'opportunités, que ce soit en fait dans les entreprises qui sont pure player du digital. Je pense à Cisco, Oracle, IBM, Google, Microsoft, etc. Mais en fait, toutes les entreprises ont également besoin de cybersécurité. Donc, par exemple, les télécoms, ne serait-ce que pour les télécoms en France, quand on pense à Orange, SFR, Bouygues, ils ont énormément besoin de compétences en cybersécurité pour stabiliser leur réseau et assurer la sécurité et la confidentialité de leurs utilisateurs. Donc, dans tous les cas, c'est un secteur qui est hyper porteur. Vous pouvez aussi peut-être vous intéresser à des cabinets qui sont moins connus sur la cybersécurité, mais qui commencent à être vraiment présents, type EY, KPMG, Price, etc. Et en fait, pourquoi je mentionne ça ? Parce que les salaires en consulting me semblent plus intéressants et les opportunités d'évolution me semblent plus intéressantes que si on est directement en cybersécurité dans une entreprise directement. Dans le sens où, déjà d'une part, les salaires, si vous êtes consultant en cybersécurité, vous pouvez très facilement commencer à 45K par an. Si vous avez des compétences assez rares, type C++, Java, JavaScript, R, Python, etc., donc des compétences en développement informatique, ça va vous aider encore plus. Et donc là, vous pouvez très facilement prétendre à des salaires entre 50 et 55 au démarrage en tant que junior. Et les opportunités d'évolution sont hyper intéressantes par la suite parce que, comme je vous l'ai dit, c'est des compétences qui sont très rares. L'intérêt de le faire dans un cabinet de conseil ou dans un pure player du digital, c'est que derrière, si jamais la cybersécurité ne vous intéresse pas vraiment ou si vous voulez switcher un petit peu, la passerelle est facilitée parce que vous pouvez passer par de la gestion de projet informatique ou du management en cybersécurité ou du management d'une équipe d'ingénieurs. Donc, j'aurais tendance, par rapport à cette question, à privilégier la sécurité informatique au détriment de la gestion de projet informatique, parce que la passerelle de la sécurité vers la gestion de projet est plus simple dans ce sens-là plutôt que dans l'autre. Merci, voilà. Adjar, pour cette réponse complète. J'ai été un peu longue, désolée.
Non, mais au moins, c'était bien développé, c'était précis. Donc, merci à toi. Mike, on a une question pour toi. Et la question, elle est de savoir si il est encore possible de trouver un stage en finance au vu du contexte actuel. Alors, s'il est encore possible de trouver un stage en finance, oui, mais il est, donc oui, il est possible de trouver un stage en finance, mais pour septembre, au vu du contexte actuel, tout simplement parce que tout est décalé en finance, c'est-à-dire que les spring et summer, qui sont des stages courts au printemps et l'été en finance pour les non-initiés, ont été tout simplement annulés. De ce côté-là, ils ont été annulés. Les recrutements aussi, par exemple en jus de junior ou d'analyste stagiaire, sont ou bien gelés, donc tout dépend des banques, ou bien décalés pour septembre. Mais le mot d'ordre, en tout cas, pour ces banques ou pour les boutiques, banques d'affaires, est de maintenir les recrutements. Donc ce qu'ils font, c'est qu'ils appellent généralement les candidats, ils rappellent les candidats, ils leur demandent d'être patients. Et de faire des rencontres en physique, mais qui auraient beaucoup plus lieu du coup pour juin ou juillet. Donc, à la vue du contexte actuel, non, je dirais que les stages ne sont pas compromis, mais en revanche, ils sont tous décalés, voire annulés pour certains. Mais ce n'est pas la politique aujourd'hui des sociétés de tout annuler. Au contraire, parce qu'ils ne savent pas si, par exemple, il peut y avoir comment dire, une sorte de vide dans les recrutements. Par exemple, un EY va tout faire pour maintenir ses recrutements parce qu'ils ne savent pas si, si des personnes vont quitter les projets, si des personnes vont quitter les sociétés. Et en ce sens, c'est important pour eux de maintenir tout ce deal flow, entre guillemets, de candidats afin de pouvoir être à fond et repartir bien dès septembre. Je pense que c'est à peu près clair au niveau de la question. Et voilà, enfin, effectivement, tout est un peu en suspens jusqu'en juillet. Donc, on n'a pas trop de visibilité, notamment en finance. Mais ça vaut aussi hein, pour du conseil ou pour d'autres secteurs un peu liés. Donc, il va falloir être patient. Et vraiment, tout se clarifiera quand on commencera à avoir une sortie claire au niveau du confinement, mais en échelle, en tout cas, pour nous, Européens. Ok. Merci à toi pour cette réponse. Amine, il y a une question pour toi. Oui. Donc là, c'est une personne qui nous dit être intéressée par Sciences Po. La personne est en première. Donc voilà, elle est en première, elle est intéressée par Sciences Po avec une moyenne générale de 14 et un profil plutôt économique avec les spécialités du bac ES du coup. Mais le niveau en français n'est pas fou, à savoir la personne en question a une moyenne de 10. Est-ce que c'est possible d'intégrer Sciences Po malgré cela? Ça dépend de quelle Sciences Po on parle, si on parle de Sciences Po Paris ou si on parle des IEP. Maintenant, Sciences Po, dans tous les cas, c'est sur concours. Bon, là, à cause du coronavirus, les IEP ont annulé leur concours, donc ça sera sur dossier. Mais sinon, c'est sur concours. Donc, qui dit concours dit il y a l'effet coup de chance, il y a plein de variables qui entrent en compte. Et c'est pas forcément lié à ton. Parce que le concours, tu vas le travailler, donc c'est pas forcément lié à ton profil de départ. Si tu as un niveau pas fou en français, si tu as indiqué avoir 10 de moyenne, si ce niveau-là, c'est en gros, tu as foiré tes évaluations, etc., mais tu es relativement bon en français de manière générale, ou du moins tu n'as pas de difficulté, ça ne va pas te poser de problème. Maintenant, c'est vrai que si tu tentes le concours Sciences Po Paris, pour l'avoir passé, il est relativement ardu par rapport au concours des IEP. Mais c'est tout à fait faisable. Si tu as une moyenne générale de 14, profil plutôt économique, ça va totalement passer. Maintenant, il y a une épreuve de français au concours de Sciences Po Paris. Donc, il va falloir la travailler, mais D'accord. c'est faisable. En général, les prépas Sciences Po dans les lycées, la mienne était à raison de 4 heures par semaine et on s'est préparé pendant 4 mois. Donc, en fait, si tu es déjà dans l'optique de faire Sciences Po, étudie un peu les sujets qui sont tombés au dernier concours. Je me souviens que moi, c'était un texte de Louis Aragon en français.
étudie les sujets, regarde les corrigés, essaye de te familiariser un peu avec la méthodologie, méthodologie, pardon. Et puis après, s'il y a une prépa Sciences Po dans ton lycée ou dans un lycée proche de chez toi, c'est super. Demande de l'aide à tes professeurs d'histoire, à tes professeurs d'économie, parce que eux en général sont de très bons conseils. Et en tout cas, ma réponse, oui, c'est faisable. C'est faisable malgré ça. Enfin, c'est pas, si tu as 14 de moyenne, il n'y a pas besoin de malgré. Il faut juste se préparer au concours. Et puis voilà, si tu es en première, tu as un an, à peu près un an devant toi. Il me semble que le concours Sciences Po Paris est en janvier. Et le concours des IEP est au mois de mai ou fin du mois d'avril, je crois. En tout cas, c'est largement faisable. Il suffit de le travailler, mais. Si tu as des bases solides, tu peux très bien performer au concours. Ok, merci. On a une question ensuite qui est relative au score TOEIC et à la barre d'admissibilité en IAE. Alors déjà, faut savoir que le TOEIC, c'est une épreuve qui permet de mesurer en gros le niveau d'anglais. Donc c'est une certification. Il y a une partie compréhension orale et une partie compréhension écrite. L'épreuve se... Comment dire? Il y a plusieurs sous-parties dans l'épreuve. On pose des questions relatives à un texte. Il y a des questions qui sont propres à la grammaire anglaise. Il y a une partie où on doit écouter un audio et on a des questions par rapport à ça. Le score TOEIC, en soi, le TOEIC, c'est quelque chose qui se travaille assez facilement dans la mesure où il y a beaucoup de manuels qui permettent de le préparer, mais il y a aussi beaucoup de ressources sur Internet, notamment sur YouTube. La partie audio. Je dirais que c'est d'abord une épreuve de rapidité, parce qu'il y a quand même pas mal de questions et il faut pouvoir être concentré tout au long de l'épreuve pour fournir le meilleur de soi-même. Le TOEIC, on est noté sur 990, si je ne me trompe pas. Pour ce qui est de la barre d'admissibilité en IAE, ça dépend des IAE, en fait. Chacun a sa barre, enfin son minimum, j'ai envie de dire, mais officieusement, si je peux le dire comme ça, la barre tournerait autour de 880-890. Donc après, ça à prendre avec des pincettes dans le sens où c'est pas forcément officiel comme information et que ça peut changer d'une année sur l'autre. Donc c'est ce que j'ai à dire sur le TOEIC. Je sais pas si vous avez des choses à rajouter. Ouais, il y a un truc que je voulais rajouter. Après, je sais pas si c'est uniquement dans les écoles ou si c'est aussi à la fac. Généralement, dans les scores qu'ils demandent de manière officielle, il y a une sorte de barre d'admissibilité qui est autour de 890-900. Mais en fait, officieusement, les scores qu'ils demandent sont beaucoup plus hauts parce que en fait, la majeure partie des étudiants qui passent le TOEIC ont des scores plus hauts. Donc, en tout cas, en ce qui concerne les écoles de commerce du top 5, c'est plutôt autour de 930. Après, sur les autres écoles, dans tous les cas, c'est juste le minimum qui est requis et qui peut d'ailleurs être bien compensé par le reste du dossier. Et de toute façon, de manière globale, le TOEIC, ça reste quand même le test d'anglais qui est le plus simple à appréhender par rapport au TOEFL ou à l'IELTS, il me semble. Donc dans tous les cas, ça reste accessible, mais il ne faut pas juste se contenter du minimum et juste se contenter de la barre d'admissibilité, parce que ça peut vous jouer des tours quand même. C'est totalement vrai. Prochaine question, je crois que c'est pour toi, Adjar, du coup. Donc là, la question, elle est toute simple. Est-ce que c'est dur de rentrer en consulting corpo? Ok. Alors, consulting corpo, du coup, j'imagine que la personne qui a posé cette question, c'était consulting interne dans une entreprise versus consulting dans un cabinet. Est-ce que c'est plus difficile d'y accéder? Pas forcément. Mais est-ce qu'il y a autant de places? Pas du tout. En fait, généralement, dans les cabinets de conseil, il y a un turnover qui est tel que, ils recrutent tout le temps des juniors. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. La majeure partie des juniors reste 2 ans. Puis, soit ils évoluent, soit ils changent de cabinet ou ils changent d'expérience professionnelle au global.
Donc, en fait, cet appel d'air fait que, y a beaucoup plus de candidats qui postulent, mais il y a beaucoup plus d'entrants également dans le secteur du conseil. Donc, je pense que c'est plus facile, entre guillemets, de tenter sa chance dans les cabinets de conseil plutôt que dans du consulting interne dans des entreprises. Parce que les personnes qui sont là depuis déjà plusieurs années. Ce sont des personnes qui ne changent pas forcément beaucoup de rôle ni de poste. Et donc, les possibilités d'entrée sont plus minces. Donc voilà, je conseille plutôt de faire du conseil en cabinet de conseil pour démarrer, sachant que c'est une très bonne école. Vous y apprendrez la méthode, la manière de penser, la rigueur intellectuelle, etc. Plutôt que dans une entreprise qui propose des postes de consulting interne. Ok, merci. Alors juste Malti, il y a des oui. petites questions en parallèle sur le chat qui ont yes. également un peu de lien avec, avec ce qui vient d'être dit. Alors attends, il faut que je remonte un peu. Il y a une alors si je prends la première, je suis enfin bachelor, donc bac plus 3. Aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, la plupart des écoles recrutent sur dossier. J'ai un profil, disons, sinueux dans le sens où j'ai fait beaucoup de choses. Comment dois-je appréhender l'étude des dossiers? Alors, il y a plusieurs questions dans ta question, je pense. Il y a la partie dossier, dossier type candidature en AST, et il y a la partie avec le contexte actuel, quelles sont mes chances d'intégrer l'école que je veux. Mais sur la partie dossier, je pense qu'il y a déjà énormément de choses à dire en AST. Peut-être même que le sujet vaut qu'on fasse un live entier. Sur la partie contexte actuel, ni toi, ni moi, ni personne, je pense, est en capacité de dire comment les entreprises vont vraiment réagir à partir de la rentrée. En tout cas, dans mon entreprise, ils ont commencé à lever le pied un peu sur les recrutements. Pareil, si c'est dans les entreprises que ça bouge, en effet domino, c'est aussi le cas dans les écoles. Donc, je ne sais pas trop comment répondre à cette question. Qu'est-ce que vous en pensez, les autres? Il faut passer cette question à Mike. Bah non, enfin, je suis totalement du même avis que Kadja. En soi, on n'a pas trop de visibilité sur le reste, donc c'est quand même très difficile de se prononcer. Et ouais, après, ça dépend aussi de quelle école tu vises, ça dépend de la qualité de ton dossier, etc. Les écoles n'ont pas vraiment réagi encore au contexte actuel, comment ils vont organiser leur admissibilité et admission. L'admissibilité, elle est déjà passée dans la majeure partie des écoles, mais pour l'admission, pour tout ce qui est les oraux, etc., ils n'ont pas vraiment réagi encore. Donc, je pense qu'il faut attendre quelques jours pour pouvoir vraiment statuer sur cette question. Il y a une question, j'en saute pas mal, mais il y a une question qui fait écho à ce qu'on avait dit sur le TOEIC. C'est Alan99 qui nous dit « J'ai passé le TOEIC, j'ai décalé les cases de la partie audio et j'ai même pas les niveaux B2. » Ok. Mais si t'as décalé les cases, c'est foutu pour toi. Hein. Parce que ça se joue vraiment à une case près. Donc après, c'est soit t'as juste, soit t'as faux. Quoi. Vaut mieux que tu le repasses. Sachant que je crois que le TOEIC, tu peux le passer deux fois par an. Vaut mieux que tu le repasses, franchement. On va reprendre les questions qui nous ont été posées au préalable. Mike, il y a une question pour toi. Oui. Pourquoi Audencia est descendu si bas dans le classement Figaro, 11e place? À quoi cela est-il lié réellement? Cette question me fait rire. Donc, oui, c'est une question, une attaque. Ouais, c'est ce que je me dis. Non, bah, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai fait Audencia, donc Audencia Business School à Nantes. Et personnellement, je ne suis pas fan de tous ces classements, type Le Figaro, type l'étudiant ou autre. Tout simplement parce que si on regarde le classement Le Figaro, on ouvre la première page du classement des écoles de commerce 2020. Et qu'est-ce qu'on voit en headline, en termes de pub? Bah, Schema Business School. Et c'est réel, enfin, c'est pas forcément une attaque envers Schema, mais c'est assez généraliste. Ce type de classement privilégie surtout des entreprises, des écoles,
qui paye tout simplement, qui paye un encart publicitaire, qui paye pour avoir un bon classement aussi. Ça, c'est une réalité. C'est un peu comme une société qui va vouloir une note de la part d'une agence de notation. Donc, il y a forcément cet aspect un peu amélioratif de la situation qui joue. Pour le coup, en fait, ça explique pas mal de choses par rapport à Audencia. Et notamment, Audencia, c'est pas la politique de l'école de justement beaucoup faire parler d'elle sur ça. Pour le coup, Audencia privilégie beaucoup le fait de se concentrer sur son école, se concentrer sur ses projets. Et on se soucie relativement peu de ce genre de classement. Mais en revanche, si vous voulez bien suivre les classements, moi, je vous conseille de suivre le classement SIGEM, S-I-G-E-M, qui est le classement en fait, typique des post-prépa. Et ce classement-là, il est quasiment inchangé depuis des années au niveau du top 7. Il a beaucoup bougé en dessous. Par exemple, Schema a gagné 2 ou 3 places en très peu d'années, ce qui est énorme, ce qui est très bien. Mais évidemment, il ne faut vraiment, vraiment pas prendre en compte qu'un classement Figaro ou encore un autre classement. Parce que, à mon sens, c'est pas la réalité des choses et il faut pas aussi se laisser berner par de la publicité, par un beau packaging, un beau marketing d'une école. C'est une très bonne chose, mais il y a des écoles assez club med et des écoles qui sont très focus sur leurs élèves. Mais je ne dirai pas lesquelles. Je suis totalement d'accord, Mike. C'est vraiment le, enfin pour abonder dans ton sens, le classement SIGEM. Même s'il n'est que pour les post-prépa, il est aussi valable pour les AST. En fait, il se base sur le choix que font les étudiants entre 2 écoles à la fin d'une prépa. Et à partir de ces choix, ils établissent le classement des écoles préférées des étudiants qui sortent de prépa. Autre classement aussi qui pourrait être intéressant, si vous voulez creuser un petit peu, c'est celui du Financial Times. C'est le classement que j'utilise le plus pour comparer notamment les écoles au niveau européen et en fait parmi les écoles au niveau européen on retrouve aussi les écoles françaises. Donc les écoles françaises sont listées entre elles, sont classées entre elles. Ça peut être intéressant de croiser cette information avec le classement SIGEM. Tout à fait, c'est effectivement ce que je pense aussi. Et surtout pour revenir sur les classements, il y a beaucoup de classements un peu bancals, type Ed Universal, vraiment des classements qui ne sont pas très, très bien référencés. Moi, je vous déconseille de les suivre, même si on va plus loin, hein, que ce soit des écoles d'ingénieurs ou des universités. Ne vous basez pas forcément sur un classement qui sort à une année M. C'est hyper... Pour moi, c'est hyper variable et surtout, les entreprises ont des grilles de salaire aussi pour des jeunes diplômés. Et ces grilles de salaire sont basées sur des écoles ou sur des classements qu'elles-mêmes font, qui sont eux-mêmes finalement basés sur des classements très classiques. Et par exemple, les cabinets de conseil vont classer sous format top A telle ou telle école, top B les 2 écoles en dessous, top C les 2 écoles en dessous, top D, etc., etc. Et finalement, tous les classements un peu variables de type le Figaro ou autre qui changent chaque année ne sont pas les meilleures références que vous pouvez avoir. Ouais, exactement. Merci à vous deux. Amim, petite question pour toi. Oui. Qui rejoint un peu la première. Quel prérequis pour intégrer Sciences Po, mais pas à Paris? Quel prérequis pour intégrer Sciences Po, pas à Paris? Donc, pareil, c'est sur... grosso modo, j'y ai répondu, c'est sur concours. Après, je sais qu'il y a certains IEP qui, lorsque vous avez la mention très bien au bac, ils peuvent vous prendre sur dossier. C'est pas tous les IEP, il y a des années où ça variait, mais c'est pas tous les IEP. Maintenant, j'ai pas passé le concours, le concours commun. Mais j'ai été préparé, et quel prérequis pour intégrer Sciences Po en termes de skills, une bonne capacité de rédaction, beaucoup de connaissances aussi. Il faut que ça soit, c'est de la dissertation, donc il faut forcément avoir des connaissances, surtout pour se démarquer en fait. Parce que vous avez tous les autres candidats qui vont être coachés par votre prof d'histoire, et chaque prof d'histoire va leur donner telle et telle référence, tel et tel livre, telle et telle information, etc. Qui l'aura jugé... peu commune entre guillemets. Donc il faut avoir des connaissances sur le sujet, hein, sur le thème de l'année,
et une bonne capacité à disserter, à rester focus pendant l'épreuve. C'est en matière de compétences, c'est les mêmes compétences qu'on vous demande au bac, c'est-à-dire pour passer le concours. Hein. C'est relativement les mêmes, c'est relativement similaire. Maintenant, c'est juste que voilà, il faut travailler le sujet, essayer un peu d'étudier toute la littérature autour du sujet, au moins la littérature la plus connue. Je crois que l'année où je l'ai passé, c'était, enfin, j'ai pas passé, mais le sujet il portait sur le communisme en histoire. Donc forcément, il faut avoir de belles références. Moi, ce que mon prof de prépa Sciences Po nous avait conseillé, c'était une rubrique sur le site du Monde. Je ne sais plus comment elle s'appelait, mais souvent, le Monde en fait traite pas mal des quelques articles autour des sujets de concours annoncés en fait. Donc, utiliser ces journaux-là. Enfin, je pense que il faut vraiment vraiment se focus sur les connaissances et votre capacité de rédaction. Écrire bien, avoir une très belle rédaction. Voilà, c'est à peu près tout ce que je peux dire autour de ça. Ok, merci. Hadjar, question pour toi. Yes. Donc, dans un premier temps, on me demande si tu es consultante IT et si c'est possible de l'être si on fait un PGE schéma. Alors, est-ce que je suis consultante IT? J'aime pas trop me définir comme ça parce que moi j'ai fait une école de commerce, donc j'interviens plutôt sur la partie fonctionnelle. J'ai pas un profil assez technique pour m'estimer consultante IT. Après, la question est intéressante parce que ce soit après schéma ou après une école de commerce, on peut quand même intégrer le milieu du digital et de l'informatique sur des postes justement fonctionnels. Donc, tu peux très bien être consultant en tout ce qui est stratégie digitale, amélioration de l'expérience utilisateur, blockchain, IoT, intelligence artificielle, mais plus sur la partie fonctionnelle. Donc, en fait, le rôle d'un consultant fonctionnel là-dessus, c'est d'une part d'identifier le besoin des clients, être en capacité de comprendre sa situation et les obstacles qu'il y a enfin, auxquels il doit faire face, et par la suite proposer une solution ou un accompagnement qui va lui permettre de répondre à ses besoins en binôme avec des consultants techniques qui vont plus gérer la partie mise en place de la solution digitale, etc. Donc, dans tous les cas, il y aura besoin de consultants fonctionnels. Donc, des opportunités, il y en a. Et également, dans tout ce qui est gestion de projet IT, il est tout à fait possible d'intégrer ce milieu, même après une école de commerce. Donc, oui, tu peux devenir consultant IT, c'est-à-dire consultant fonctionnel en digital, en IT, après une école de commerce et après schéma, en l'occurrence. D'accord, merci. Mike, question pour Oui. toi. Quel est le meilleur salaire entre un poste en banque d'investissement et un poste dans un cabinet d'avocat d'affaires et quels sont les meilleurs horaires? Alors effectivement, c'est une question assez technique. Donc, faut savoir que l'avocat d'affaires, en tant qu'avocat d'affaires, les salaires sont à peu près de 55K, je dirais, à 85K pour du junior. En tout cas, c'est ce que les grilles ressortent, et surtout un comparatif qui est fait assez régulièrement. Pourquoi c'est aussi élevé? Parce qu'effectivement, oui, il y a des gros horaires, et surtout bien expliqué par les rémunérations américaines et anglaises. Il y a beaucoup de cabinets d'avocats anglais et américains qui s'installent à Paris. Et donc forcément, pour pouvoir être dans les mêmes standards à peu près internationaux, ils rehaussent les salaires. De même pour la banque d'affaires, type banque d'investissement, surtout, où c'est à peu près 60 à 85K, voire un peu plus. Tout dépend de la banque, tout dépend de l'expérience aussi qu'il y a eu. Et tout dépend de l'école, parce qu'on ne va pas se cacher, là encore, il y a une grille de salaire qui est définie en fonction des écoles. Donc globalement, le meilleur salaire, je dirais, et ce qui me semble logique, c'est en banque d'investissement, notamment où, par exemple, en travaillant sur des projets large cap, il peut aussi y avoir donc des bonus entre guillemets qui sont reversés aux salariés, mais pas forcément. Enfin voilà, tout dépend des politiques salariales des banques. Pareil en tant qu'avocat d'affaires.
Mais si je dois aussi approfondir, notamment au niveau des horaires, les horaires sont à peu près équivalents, voire peut-être beaucoup plus. T'entends plus? On a un petit problème parce qu'on n'entend plus. Bah moi je t'entends toujours, Mike. Moi, bah, ah, voilà. C'est bon, il y a eu un petit bug. On entend tout le monde. Ok, bah, peut-être un petit bug. Mais par contre, le live, il est plus. Attends, je le vois plus affiché le live. Ça a repris là. Ça a repris? Ouais, c'est bien. Reparti. Ok. Donc je vais reprendre du coup. Donc effectivement, il y a un stagiaire qui est tombé dans les escaliers, qui s'est cassé un bras, et ce que ça a fait, c'est que ils ont imposé des politiques de comment dire, de fixation, on va dire, des horaires. Donc par exemple, en semaine A, les stagiaires finissent à 20h, en semaine B, ils finissent à 22h, et il y a des roulements. Après, il y a toujours ces bruits de couloir qui disent que des analystes confirmés échangent leur badge avec les stagiaires pour pouvoir partir plus tôt, mais ce ne sont que des bruits de couloir que j'ai entendus. Mais en revanche, chez les avocats d'affaires, j'ai aussi un exemple dans ma TL où il y en a une qui même en télétravail, en confinement, est sur des closings d'opérations et peut finir jusqu'à 3, 4 heures, 5 heures du matin facilement. Donc je pense qu'en banque d'investissement, c'est un peu plus régulé quand même, contrairement à une petite boutique en banque d'affaires. Mais pour répondre à la question initiale entre les avocats d'affaires et la banque d'investissement, je pense que les avocats d'affaires travaillent plus en termes d'horaire que les banquiers d'investissement. Ok, merci. Il y a une autre question sur les langues encore. Là, la personne nous dit qu'elle a un niveau B2 C1 en anglais et si elle a une idée de comment faire pour maîtriser l'espagnol. Je parle pas espagnol personnellement, mais les langues, ça prend, sans généraliser pour autant, mais typiquement l'espagnol, l'allemand et l'anglais sont des langues qui s'apprennent relativement de la même manière en termes de méthode, à savoir qu'il faut toujours une bonne base grammaticale et une bonne base de vocabulaire. Donc pour ça, un bon manuel peut faire l'affaire dans un premier temps. Après, il s'agit principalement toujours d'acquérir du vocabulaire supplémentaire, du vocabulaire relatif à certaines problématiques. Et pour ça, la meilleure manière, c'est vraiment de lire la presse, donc que ce soit la presse espagnole ou la presse anglaise. De pouvoir écouter aussi, je sais que Spotify fait pas mal de podcasts pour apprendre l'espagnol avec différents niveaux, A1, A2, B1, B2 jusqu'à C2. Donc ça aussi, c'est une autre manière de pouvoir travailler son espagnol et regarder des films. Mais aussi des séries. Netflix en a quelques-unes typiquement, mais je suis sûre que d'autres distributeurs en ont. Et je pense que c'est la meilleure manière aujourd'hui pour apprendre une langue, en tout cas une langue européenne, si je peux le dire comme ça. Et moi, personnellement, je viens de me mettre à l'espagnol et c'est comme ça que je fais. Après, on progresse en fonction de sa récurrence et de son sérieux à bosser la langue en question. Mais lire la presse, écouter des podcasts, regarder des films, des séries et avoir un manuel avec les bases grammaticales et le vocabulaire de base aussi, je pense que c'est la meilleure des choses à faire quand on apprend l'espagnol tout seul. Il y a un truc aussi qui marche bien pour compléter. Je suis totalement d'accord avec toi. Pour compléter, il y a un truc qui marche bien, c'est de pratiquer la langue tout simplement. Donc soit vous avez l'opportunité d'aller à l'étranger, que ce soit à travers des vacances ou même un stage ou autre, soit en fait sur Paris, je sais que ça se fait beaucoup, il y a une application qui s'appelle Meetup et en fait qui propose des rencontres en fait sur n'importe quelle thématique, des rencontres en groupe sur n'importe quelle thématique. Et la dernière fois, en parcourant un petit peu l'application, j'ai vu qu'il y avait des meet-ups qui étaient focus sur les langues.
Et là, l'idée, c'est d'y aller, de parler à un maximum de personnes, des personnes qui sont, enfin, des locaux, en fait, de la langue que vous apprenez, des personnes qui apprennent en parallèle. Et là, l'idée, voilà, c'est d'échanger un maximum pour pratiquer et progresser ensemble. Donc, je sais que ça se fait beaucoup à Paris. Après, dans le reste de la France, ça se fait sûrement, mais peut-être de manière moins récurrente. Mais ça vaut le coup de tester si vous avez besoin de parler, en fait, et de pratiquer votre langue. Enfin, la langue que vous apprenez. Thank you, Merci à tous. Adjar. Prochaine question pour Amim. Oui. Alors là, c'est quelqu'un qui se réoriente d'une prépa scientifique à une prépa commerciale. Et la personne demande des conseils pour préparer l'épreuve HGG et la culture G. Ok. Donc celui qui vient d'une celui ou celle qui vient d'une prépa scientifique à une prépa commerciale, des conseils pour bien préparer la géopolitique, j'en ai pas parce que j'étais en prépa ECE et pas ECS et du coup j'avais éco et j'avais pas géopolitique. Du coup je ne pourrais pas vraiment t'aider là-dessus si ce n'est bah en fait je sais que des quelques retours d'amis qui étaient en prépa géopo qui était en prépa scientifique, enfin commercial option scientifique, c'est vraiment sur le tas en fait. Ça ne nécessite pas de connaissances au préalable. C'est vraiment sur le tas en fait. On va tout vous fournir en prépa. Donc est-ce que avoir des connaissances au préalable sont nécessaires? Pas vraiment en fait, en vérité. Maintenant, c'est sûr qu'avoir un petit intérêt pour la géopolitique, pour l'histoire, ça aide. Parce que c'est une matière lourde, c'est une matière qui pèse en matière de, en coefficient. Donc, c'est sûr qu'il faut avoir un peu d'éveil là-dessus. Maintenant, pour la culture G en prépa, c'est deux matières. C'est la philo, qui n'est pas forcément de la philo comme vous l'avez vu, comme on le voit au lycée, mais c'est de la philo et c'est du français. En fait, c'est comme ça qu'ils l'appellent, mais. C'est 3 heures de chaque matière par semaine, donc 6 heures. Et en français, vous traiterez des sujets d'actualité et des sujets d'histoire de l'art. Grossièrement, c'est ça. Donc, pour ce qui est de l'histoire de l'art, c'est sûr qu'avoir un peu de culture artistique, en prépa, on vous demande de la culture vraiment classique, hein. Faut pas s'attendre à quelque chose de très original. Donc, voilà, avoir un peu de culture classique en matière d'art, ça peut aider, en matière de cinéma. Moi, je sais que j'en avais pas du tout, et j'en ai toujours pas sur le cinéma. Mais c'était, grosso modo, c'était ça qu'on traitait à l'école. Et pour ce qui est de la philo, donc là, en fait, vous allez travailler sur un thème. Chaque année, il y a un thème en prépa. Cette année, c'est le désir. Et vous allez étudier de la littérature autour de ce thème. Ça va être essentiellement de la littérature pour les cours de philo. Maintenant, c'est tellement, tellement large parce que vous ne voyez pas que des philosophes. Vous allez étudier des romanciers, des essayistes, enfin vraiment des critiques, plein de choses autour de ça. Donc c'est pas forcément que des philosophes. Et la littérature que vous étudierez dépendra directement de votre prof. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de. Il n'y a pas de. Il n'y a rien qui est imposé à ce niveau-là, au niveau du programme. Donc, pour s'y préparer, je pense qu'il faut vraiment lire un peu de littérature classique. Lire Victor Hugo, lire Zola, en philo, avoir lu Rousseau, Kant, Nietzsche, Sartre, peut-être. Toute la littérature classique, en fait, qui va t'aider à préparer la culture G. Mais il n'y a pas besoin d'avoir un gros bagage quand tu viens, en fait. Enfin, la manière dont je l'ai vu, même si c'était une matière pour laquelle j'avais beaucoup d'appétence à la philo au lycée, quand je suis arrivé en prépa, ça ne m'a pas servi à grand-chose, en fait. Déjà, la méthode n'était pas la même. Et puis, j'avais relativement peu de connaissances sur le programme qu'on étudiait. J'ai beaucoup découvert en étant en prépa. Donc, si tu n'avais pas forcément d'appétence ou d'éveil pour cette matière, ce serait bien de lire un peu autour de ça. Il y a pas mal de. Quand tu tapes le thème de l'année en prépa sur Amazon ou autre, il y a pas mal de livres en fait édités par les profs de prépa qui vont reprendre plein d'idées, genre le condensé d'idées.
Ça peut être cool. Je sais que certains profs détestent ça. Mais très honnêtement, pour les concours, ça peut être très utile. Maintenant, tous les élèves à peu près étudient un peu ce genre de livre. Donc, c'est sûr que ça ne va pas produire des idées originales dans les dissertations. Mais avant d'intégrer une prépa, je crois qu'il y a un livre qui s'appelle « 1001 idées de philo ou de culture générale » qui est assez bien, même si ce n'est pas forcément poussé, mais c'est très bien. Donc voilà, je dirais cet été, tu peux lire Platon, tu peux lire Aristote. Ça, c'est toujours un bon éveil. Sinon, en soi, il n'y a pas de compétences nécessaires. On insiste aussi beaucoup sur la rédaction. Donc, faut travailler ça, avoir une bonne qualité de rédaction. Et puis, pour le reste, tu l'apprends sur le tas. Voilà. Alors, merci Amine pour cette réponse. Au vu de l'heure qu'il est, je pense que le mieux, c'est de répondre à quelques questions du chat et de traiter dans un podcast, un article ou un live plus ciblé les questions restantes qu'on a pu recevoir précédemment. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, en parallèle, il y avait une question qui a été posée sur le hashtag. On peut peut-être commencer par celle-ci et après traiter celle du chat. D'accord, super. Ok, bon, je vous lis la question du coup. Alors, c'est de la part de Youssouf. Je suis en première section euro-anglais et j'aimerais vraiment faire une prépa parisienne ECE. Je tourne autour de 15-6, 16-5 de moyenne. Est-ce suffisant ? Et quels sont les meilleurs moyens de faire une école type HEC ? Car on dit que la prépa est la voie royale. Alors, je vais prendre cette question, à moins que quelqu'un voulait y répondre. Vas-y, je t'en prie. Ok, donc si tu parles de prépa parisienne, autant dire que ton 15, en fait, il va vraiment être différent selon le lycée duquel tu viens, en fait. Typiquement, j'avais à peu près la même moyenne que toi en terminale. J'étais autour de 15, entre 15 et 17. Je venais pas d'un super lycée. J'étais sur Parcoursup, j'étais en attente à Henri IV. Du coup, j'étais admissible, entre guillemets, mais je devais être, je crois, 192e. Ou non, même pas, je crois qu'au début, j'étais 200 et quelques. Il y avait 400 admis. Et au final, j'ai pas été pris. Donc, ça dépend vraiment de ton lycée. Si tu as un 15, entre 15 et 16 dans un lycée parisien, c'est pas la même chose que si tu as 15, 16 dans un lycée de province. Maintenant, c'est toujours faisable. Il faut candidater via Parcoursup. Quelle était la suite de la question ? La suite de la question, quels sont les meilleurs moyens de faire une école type HEC, car on dit que la prépa est la voie royale ? Si on parle d'HEC, effectivement, la prépa est la voie royale, parce qu'il y a très peu de place en AST. Maintenant, après, si tu veux faire HEC, enfin, ça c'est pour le cas du programme Grande École de HEC. Maintenant, si c'est pour faire un master HEC, etc., c'est différent. Mais c'est sûr que pour rentrer dans les écoles du top 3, vous aurez toujours plus de place en admission post-prépa qu'en admission sur titre. Maintenant, pour ce qui est de... c'est pareil pour le SCP aussi. Le SCP, vous avez 25 places en admission sur titre pour à peu près 400 places en admission post-prépa, il me semble. Il y a juste les SEC où vous avez 160 places en admission sur titre, mais il faut avoir un master, c'est à Bac plus 4. Et sinon, il y a aussi à peu près 400 places en admission post-prépa. Donc forcément, pour ces écoles, la prépa est la voie royale. C'est sûr que ça recrute énormément de prépa parisienne. Il me semble que c'est à peu près 60% ou 70% de la promo. Voilà, après, il y a l'incubateur. J'ai pas envie d'en faire la promo, mais il y a l'incubateur parfait qui est IPSUP. Si tu n'es pas admis dans une prépa parisienne publique, IPSUP peut être la parfaite prépa à faire. Alors, j'aimerais compléter peut-être en donnant un autre point de vue côté AST. Alors certes, la prépa, c'est la voie royale dans le sens où c'est la voie qui est la plus empruntée, c'est là où il y a le plus de candidats et c'est là où il y a le plus de places disponibles en école. C'est pas pour autant qu'il faut totalement occulter la voie AST. Au niveau du taux d'admissibilité et taux d'admission, je dirais que c'est à peu près pareil parce qu'il y a moins de places, mais il y a moins de candidats aussi. Donc après, tout dépend de ta stratégie. Tu peux très bien, si tu es vraiment un élève excellent, tu peux très bien passer par la voie prépa. Et je pense que
dans tous les cas, tu pourras y parvenir, en tout cas sur le top 5, parce que y a beaucoup de place et tu pourras être ventilé sur l'un de tes choix prioritaires. Ça, c'est uniquement voilà, si tu es vraiment un élève excellent. Si par contre, ton parcours est un peu plus atypique, que tu as d'autres expériences que tu souhaites faire valoir, que tu as envie de passer par un parcours fac ou autre parcours à l'international, etc., sur lequel tu pourrais te différencier, dans ce cas, vaut mieux passer par l'admission en AST, en admission sur titre, parce que tu peux vraiment mettre en avant un parcours différent, un profil différent, atypique. Et là, pour le coup, tu as autant de chances qu'un étudiant en prépa d'intégrer l'école que tu veux. Sachant qu'il y a, enfin, ce que j'ai vu sur Twitter aussi récemment, ça me fait marrer parce qu'il y a la plainte qui disent ouais, l'admission sur titre, il y a deux écoles en fait. Hein, les admis sur titre, c'est de l'arnaque, ils ont moins bossé et ils ne méritent pas d'entrer en école. Et il y a une autre version qui dit franchement, l'AST, c'est génial, c'est un hold-up. Tu défonces tout le monde et tu passes avant ceux qui ont fait prépa. La vérité se situe un peu entre les deux. Enfin, il faut pas dénigrer la voie ST parce que il y a vraiment des parcours très intéressants qui font la richesse de l'école par la suite et qui apportent de la diversité. Et d'un autre côté, je suis pas d'accord avec le fait de dire que les parcours AST sont moins bons que les parcours prépa. Ils sont juste différents. Ils se projettent pas forcément pour les mêmes carrières par la suite. Donc, honnêtement, il y a de la place pour tout le monde, quoi. Il faut vraiment que tu t'intéresses à ces deux voies par rapport à ton parcours, par rapport à ce que tu peux mettre en avant, par rapport à ta propre évaluation de tes chances d'intégrer les écoles que tu veux par une voie ou par une autre. J'aimerais revenir justement, je suis assez d'accord avec ce qu'a dit Adjar. Après, pour la fin, si tu vas en prépa, c'est vraiment, tu ne peux pas savoir quelle école tu intégreras. Parce que tu as des gens qui justement avaient des moyennes pas super au lycée et qui ont explosé en prépa pour avoir de très bonnes écoles. Et tu en as d'autres qui étaient très bons et qui n'ont pas forcément percé, entre guillemets. Et pour ce qui est des AST, je suis assez d'accord. Il faut savoir d'ailleurs qu'il y a davantage de pression pour un AST que pour un prépa. Si vous faites le rapport entre le nombre de candidats en prépa et le nombre d'admis, et vous faites le même rapport entre le nombre de candidats en AST et le nombre d'admis, si vous prenez le top 3, c'est très 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 faible. Vous avez 5000 candidats à HEC en prépa, 400 admis. Vous avez plus de, je crois qu'on tourne autour des presque 2000 candidats aux AST d'HEC, vous n'avez que 25 admis. C'est exactement la même chose pour l'ENS, si vous faites le rapport entre les admis fac et les admis prépa. Le taux est toujours plus bas pour les AST. Après, ça se diffère juste pour une école, qui est l'EM Lyon, qui a beaucoup plus de places en AST que les autres, ils ont 480 places. Mais eux aussi, ils vont étudier énormément l'originalité des profils et tout ça. Mais voilà, en fait, c'est pas forcément plus simple. C'est sûr que pour certaines écoles, si vous dépassez le top 7, ce serait faux de dire que c'est plus dur en AST qu'en prépa. C'est vraiment plus simple d'intégrer une école en dessous du top 7 en passant par la voie AST que par la voie prépa. Mais après, c'est des profils différents. Juste, Ami, enfin, si je peux rebondir sur ce que tu as dit, d'ailleurs ça s'est opéré du coup l'année dernière, mais l'année dernière c'est la première fois que l'EM Lyon, enfin même qu'une école de commerce en général, a dépassé en termes d'AST le nombre d'admis en termes de prépa. Donc là aussi il y a un shift qui s'est opéré, et je pense que c'est important de souligner, de préciser qu'il y a beaucoup plus de places qui sont ouvertes pour les AST ces dernières années à l'EM. C'est pas forcément pour autant plus facile d'en intégrer, mais voilà, il y a aussi des stratégies qui sont aussi à prendre en compte vis-à-vis de ce qui se fait au niveau des admissions. Ouais, c'est vrai. Et je pense que l'EM, ça doit probablement être dû au fait qu'ils mettent énormément en avant leur master dans l'entrepreneuriat, qui d'ailleurs est relativement bien classé. Selim qui a dit est-ce que l'EM Lyon devient moins bonne? Pas vraiment, il y a pas mal de remaniements. Ils ont changé par exemple de doyen ou de président, il me semble. Oui, de président. C'est un président d'une école hôtelière très réputée en Suisse qui vient prendre la place de l'ancien président. Mais voilà, l'EM Lyon recherche de plus en plus de
parcours atypiques, de parcours différents. Et c'est sûr que les parcours post-prépa sont très académiques, ont tous le même profil. Voilà, ils n'ont pas forcément fait énormément de stages, ils n'avaient pas énormément de temps, tout simplement, parce que sorti du lycée, et puis après, c'est intensif. Ouais, comme l'a dit Mike, ils ont ouvert 80 places de plus en AST, que en post-prépa. On a 400 pour 480. Et forcément, c'est pour rechercher des parcours différents. Et je pense qu'on est en train d'opérer, en train de remarquer un certain shift. Il y a peut-être un déclin des prépas. Est-ce qu'il est peut-être trop tôt pour le dire actuellement, mais c'est vrai que toutes les écoles augmentent un peu leur place en admission sur titre. Il y a un truc que j'aimerais ajouter, justement, je suis d'accord avec vous. Pour répondre à la question aussi qui avait été mentionnée dans le chat, l'EM Lyon ne devient pas moins bonne parce qu'elle a enfin, de plus en plus de places en AST. Si elle devient moins bonne, et encore, hein, c'est à discuter, mais si on considère qu'elle devient entre guillemets moins bonne, c'est uniquement dû à sa gestion en interne qui est un petit peu compliquée. L'école a traversé voilà, des moments un peu difficiles. Ils ont changé de statut, ils ont changé d'équipe de management, ils ont changé de leader aussi au niveau de l'école, de doyen et président. Donc voilà, c'est ce qui rend un peu la transition compliquée. Ça ne veut pas dire que l'école a diminué en termes de classement et de qualité. Et ça ne veut pas dire que puisque l'école recrute de plus en plus d'AST, elle est moins bonne. Enfin, ça, il faut vraiment l'oublier parce que la qualité d'une école n'a aucun rapport en fait avec le nombre d'AST qu'elle recrute. Au contraire, plus une école recrute des AST, plus elle diversifie sa promo, elle enrichit aussi les profils et les états d'esprit. Donc, il n'y a pas de lien de causalité directe entre le nombre de places en AST versus le classement de l'école. Effectivement. Merci, Adjar. J'avais une question dans le chat et je pense que c'est important d'y répondre parce qu'elle est revenue à plusieurs reprises. C'est Aquaponé qui, déjà, dans un premier temps, nous remercie pour l'initiative. Donc, merci à toi, Merci Aquaponé, à toi, Aquaponé. d'être présent parmi Merci. nous. Et par rapport à la question que tu poses, c'est comptez-vous par la suite donner des conseils sur des filières spécialisées de type médecine, droit, ingénierie, voire faire des conférences? Si oui, comment comptez-vous vous y prendre? Car j'ai cru comprendre que ce n'était pas votre domaine d'activité à tous. Et comment comptez-vous inviter des guests à l'occasion? Alors, pour répondre à ta question, c'est très très simple. Nous, on a chacun nos compétences du fait de notre parcours pro et académique. Et l'objectif de How to Be, c'est quand même de permettre à tout le monde, quelle que soit sa filière, de trouver des informations relatives à son orientation. Donc, typiquement, pour des profils médecine, droit, ingénierie, ce qu'on compte faire, c'est inviter des personnes qui sont dans ces filières-là, d'une part au travers des podcasts, puisque à ce jour, c'est la méthode la plus simple pour nous d'un point de vue technique. On compte organiser en fait des podcasts où on va interviewer des personnes de différents corps de métiers et différentes orientations académiques aussi pour qu'elles nous donnent un retour sur leur expérience qui pourrait vous être utile à vous, étudiants en médecine, droit, ingénierie ou même commerce international. On vise vraiment très large. Et pour la deuxième partie de la question, pour inviter les guests, bah justement, ça va se faire via les podcasts qu'on compte mettre en place sous peu. Et il y aura aussi des articles sur des thèmes plus spécifiques. Donc, voilà. Voilà, et aussi durant nos lives, en fait, on aura aussi quelques intervenants sur nos lives, puisque les prochains lives, en fait, seront à thème. À chaque fois, on vous annoncera le thème du prochain live pour avoir des personnes spécialisées et optimiser tout ça. Il y avait une question sur le chat qui était intéressante, c'était Salim qui l'avait posée à propos du classement de Shanghai, qui disait pourquoi les écoles françaises sont si basses au classement de Shanghai, est-ce dû au prépa? Alors, en fait, c'est pas du tout dû au prépa, puisque c'est le classement ne porte que sur les universités. Et en fait, le classement de Shanghai, il se base sur six critères. Le nombre d'anciens élèves qui ont reçu un prix Nobel,
le nombre de professeurs de l'institution qui ont reçu un prix Nobel ou une médaille Fields, le nombre de chercheurs les plus cités par Thomson Scientific, le nombre d'articles publiés dans les revues Nature et Science, le nombre d'articles indexés par Thomson Scientific, et un score total des cinq premiers critères, divisé par la taille du corps professoral. Le nombre, en gros, le nombre de disciplines enseignées. Et donc, forcément, ben, vous avez les universités les plus brillantes et les plus productives dans les revues scientifiques qui vont être mises en avant. Il faut aussi prendre en compte que ça va dépendre en fait des résultats aussi de la recherche des étudiants qui font des travaux de recherche qui obtiendront des prix internationaux. Et il faut aussi prendre en compte le fait que en France les prix Nobel sortent souvent de la même école. C'est souvent des normaliens. Donc c'est souvent de l'ENS, contrairement à d'autres pays qui n'ont pas ce système d'école normale ou d'école dédiée aux chercheurs, c'est ça que je veux dire, qui fait qu'ils peuvent produire des prix Nobel dans différentes institutions. Ce qui fait qu'il me semble que la Sorbonne est 500e au classement, Dauphine c'est à peu près pareil. Enfin voilà, en fait, vous avez des écoles qui produisent très peu de prix Nobel. Et ça dépend aussi après du domaine d'activité. Par exemple, si vous regardez un classement Financial Times de l'université de Saint-Gallen, elle va toujours être dans le top 3, top 5. Pareil pour plein de classements en finance ou en économie. Mais au classement de Shanghai, très basse, parce que c'est une université qui produit quasi pas de prix Nobel et qui publie pas dans les revues que le classement de Shanghai exploite. Donc c'est un peu dû à ça, et il faut aussi prendre en compte le fait que vous avez des pays qui ont davantage d'incubateurs ou de moyens de créer des professeurs stars, typiquement les États-Unis, parce que les universités ont énormément de moyens et ont beaucoup plus de facilité à mettre en avant leurs professeurs. Qui fait que ces écoles sont au top du classement de Shanghai. Et voilà. Il y avait encore beaucoup de questions qu'on avait reçues sur Curious Cat, mais là, je pense qu'on ne va pas tarder à clôturer le live. Il est déjà 21h09. On avait prévu de faire une heure avec vous. Dans tous les cas, n'hésitez pas à continuer à poser vos questions et on pourra les traiter lors des prochains lives, sachant que, comme l'a dit Amim tout à l'heure, les prochains lives seront thématiques. Donc l'idée, c'est à chaque fois d'inviter une personne pour vraiment creuser un sujet au maximum. Et justement répondre à l'entièreté de vos questions par rapport à ce sujet. Okay. Pour répondre rapidement à Selim, mais du coup, il faut se référer à quel classement international plutôt les classements en fait, spécialisés, comme Brahim l'a mis en avant, le Financial Times, ou en fonction de la discipline que tu veux étudier, regardez le classement le plus reconnu. Parce que le classement de Shanghai est un classement bien trop généraliste. Donc voilà, je pense que tout a été dit. Est-ce que vous avez un mot de la fin? Merci à vous. Merci à l'équipe et merci aux personnes qui ont été présentes lors de ce live et qui ont aussi participé à travers le chat. Ça a été très vivant et c'est toujours un plaisir de pouvoir échanger avec des étudiants. Déjà en tant qu'étudiante, mais aussi pouvoir partager son expérience, c'est toujours quelque chose de bénéfique pour tout le monde, je pense. Donc, un grand merci. Ouais. Oui, vraiment, je complète. N'hésitez pas, hein, si vous-même vous êtes étudiant ou même déjà diplômé et que vous pouvez ajouter des choses ou compléter des questions, des réponses qui ont été mentionnées, que ce soit en live ou sur le chat, n'hésitez vraiment pas à participer sur le chat. L'idée, c'est vraiment qu'on puisse s'entraider tous ensemble. Faire partie de la communauté et faire vivre tout ça, quoi. Donc vraiment, n'hésitez pas à donner votre avis. Yes, merci beaucoup en tout cas à ceux qui étaient très actifs sur le live. Je vois que vous vous répondez entre vous et c'est super dynamique, donc c'est génial à ce niveau-là. Effectivement, comme l'a dit Adjar, si quelqu'un a une expertise à faire valoir, Skippy est là. Bonjour, bonsoir Skippy. Si vous avez une expertise à faire valoir, vous pouvez, hein, évidemment répondre sur le chat.
Et voilà, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, sur howtobe-edu, sur Twitter. Vous pouvez nous poser vos questions avec le hashtag howtobe sur nos Curuscades respectives, mais privilégiez plutôt soit nos DM, soit le hashtag, puisque à l'avenir, on utilisera essentiellement le hashtag howtobe. Et autre point aussi que je voulais ajouter, là on est vraiment en version MVP quoi. C'est notre premier live, c'est la première fois qu'on fait ce genre de choses. Donc certes, c'est pas parfait et on va s'améliorer au fur et à mesure. Si vous avez des retours à nous faire justement pour qu'on puisse s'améliorer, n'hésitez vraiment pas à nous contacter. Toute idée est la bienvenue et arrête de dire que j'aime trop ce mot. Je lis en même temps ce que t'écris, les conneries que t'écris sur le live, sur le chat. Oui, j'aime bien ce mot. Non, mais vraiment, enfin, si vous avez des idées, des questions, des pistes pour qu'on puisse s'améliorer, n'hésitez vraiment pas à nous en faire part, ça nous fera hyper plaisir. Ouais, on est très ouvert à vos critiques et au retour. Pense qu'on peut se dire au revoir du coup. On vous quitte. Yes. On vous quitte, bah merci en Merci tout cas, beaucoup. merci à vous. Merci. Vous étiez au rendez-vous, c'était top. Merci beaucoup et Bonne soirée. on se voit pour le prochain live samedi prochain, 20h, même lien, même équipe, on sera là. Restez chez vous. Restez connectés, restez chez vous, elle a raison, restez chez vous. Top, top, top. À plus. À plus, salut tout le monde, Bonne merci encore. soirée, Bonne soirée. bye.